Salut tout le monde, bienvenue dans la suite de la carrière Project Cars 2, on ne perd pas une seconde de plus et on plonge tout de suite au cœur de la troisième course de la saison avec, vous le voyez, au programme la piste de Donington, de nouveau sous la pluie, hein. On revient dans des conditions qu'on connaissait déjà du côté de l'Angleterre lors de la course du championnat national, mais cette fois-ci en championnat d'Europe, on va essayer de faire tout aussi bien. Je crois qu'on avait fait un dive bomb à la dernière chicane sur Gary Brown. Et c'était très sympa, on va voir si on peut rééditer tout cela aujourd'hui. On va quand même faire un petit tour tout de même dans les réglages pour mettre les pneus. Combien ? Non, ça devrait aller, on devrait être chaussé de pneus sculptés. On va pouvoir quitter la pit lane. Alors vous connaissez bien le circuit de Donington. On va en faire un tour pour prendre un petit peu la mesure. Et on est bien en pneus pour piste humide, ça c'est rassurant. Et on voit Gary Brown qui est déjà sorti, évidemment. Alors on nous dit qu'on peut faire quelques réglages pour mettre cette voiture un peu plus agréable au pilotage. Je crois qu'on n'en aura pas vraiment besoin de fondamentalement changer la physionomie de la voiture. On fait un tour ensemble donc pour voir à quoi ressemble ces conditions de piste, et on peut voir que pour le moment c'est partiellement humide. La voiture tient bien avec les réglages de base. Et je pense que si les conditions restent identiques, on pourrait faire très très fort avec notre voiture dans ce week-end, parce que on pourrait attaquer rapidement. Je pense, sans trop avoir peur de décrocher. Et on va rentrer au box. Parce que voilà, vous avez vu un petit tour de ce circuit de Donington Park. Et on va s'arrêter au box. Allez, le début des hostilités en qualification. Avec toujours cette pluie. Et on est parmi les premiers à sortir des boxes. Avec Rob Massé juste devant nous. Et les conditions de pluie légère sont assez intenses. On voit des particules de pluie hein, qui passent par coup de vent comme ça. C'est assez bien fait visuellement. Allez, on nous demande de sortir le tour magique. On va pouvoir y aller ici à Donington parce que c'est une piste qu'on aime et où la voiture est à l'aise. Et on déclenche notre chrono. C'est parti, même si ça n'est pas flagrant à l'écran. On repasse brièvement en seconde. Ça permet de garder de la relance dans la voiture. La descente ici. Très technique. On passe en troisième et on essaie d'approcher l'intérieur de la piste sans être trop généreux avec les vibreurs. Quatrième. Et la remontée se passe bien. Attention de ne pas être trop large ici sur la gauche. Pas mal ce passage. Je pense qu'on va faire un très bon tour dans cette première tentative.
avec laquelle on va enquiller tout de suite un deuxième tour. Juste derrière, pour voir si on peut peut-être déjà améliorer. Et ce premier tour nous place à un dixième de Rob Massé, le poleman provisoire en ce début de séance. On est repassé en seconde. De quelques dixièmes que l'on a perdu, on n'était pas sur la meilleure trajectoire dans la descente. La remontée, on perd encore du temps à dixième ou deux. Avec le quatrième rapport engagé. Il va fort sur les vibreurs, c'est ce qu'il faut de toute manière ici à Donington. Et on va peut-être être aspiré par Rob Massé justement. Et regardez, il nous manque un dixième pour la pole et pour l'instant on est en train d'aller le chercher ce dixième. On va aller chercher la pole provisoire je crois avec deux dixièmes de mieux. Et l'aspiration de Rob Massé qui va nous aider et c'est fait, pole position pour 4 centièmes de seconde devant Rob Massé. Et bien voilà, je crois qu'on va en rester là pour cette qualif. Et on va voir si on perd beaucoup de place, mais moi, ça me suffit amplement pour défendre nos couleurs lors de la course qui va suivre dans quelques instants. Et à la fin de la séance, effectivement, on s'empare de la pole position. On n'a pas amélioré du côté de Rob Massé. Gary Brown est troisième. Florian Talou, le leader du championnat, sera sur la deuxième ligne, l'Italien. Cinquième position pour Andrew Curran. C'est notre équipier, toujours en difficulté. Philippe Enderes sera donc dernier. Départ dans quelques instants ici à Donington Park. C'est parti pour cette quatrième course avec un envol correct. On prend l'avantage sur Rob Massé et on va se présenter dans le premier droit en tant que leader. On met en deuxième pour avoir un peu de relance. Gary Brown a pris un bon envol aussi. Florian Talou qui est quatrième. On a un petit leadership dans la descente, c'est pas mal. Pour sa quatrième course au championnat d'Europe, nous avait promis de la pluie. Et on se retrouve pour l'instant avec une piste sèche. Est-ce que la pluie ne va pas venir nous rejoindre plus tard dans la course? Alors que derrière, on a Gary Brown qui est à l'attaque. On mène un peloton qui reste extrêmement compact. De là à dire qu'on est en train de bouchonner, je n'irai pas jusque là. Gary Brown qui plonge. Oh, Gary Brown, pardon, très autoritaire avec la monoplace numéro 11. On va laisser lui faire les freins quand même. Et bien voilà, la course est lancée et sur les chapeaux de roue dans les rétroviseurs, Gary Brown se montre déjà. Troisième, Rob Massé à l'issue du premier tour et Florian Talou, quatrième. On a pris un bon envol. Garnett Lee qui est cinquième. Currens qui est sixième. Oh là, on repasse en deuxième dans la grande courbe alors qu'on arrive maintenant dans la grande descente. Toujours en tête, mais on sent qu'il y a des endroits où on peut facilement se faire surprendre. Attention parce que Rob Massé va chercher Gary Brown. On le voit dans les rétroviseurs, on le devine en tout cas. Et Gary Brown reste deuxième. On reste en tête. On essaie de filer en profitant de la bagarre entre les deux. Et on va protéger à l'intérieur pour empêcher la voiture
de Gary Brown de s'imposer. Il nous pousse sur la mauvaise trajectoire, évidemment, Gary Brown. Ah, la course se passe vraiment dans les rétroviseurs ici à Donington. Troisième boucle entamée. Toujours en tête, mais la menace est grande. La menace est très très grande. Oh, on a laissé la porte ouverte, on a glissé. Attention, on a glissé. Et Gary Brown qui s'est infiltré. Il n'a pas dû attendre plus longtemps. Gary Brown qui est impérial hein, depuis le début de la course. Il essaie d'aller se défendre tant bien que mal. Oh là là, on perd. Et Rob Massé n'a pas pu passer. Et c'est Florian Talou qui se retrouve troisième. Ça, c'est pas la bonne pioche du tout au championnat. On essaie de sauver les meubles face à nos adversaires. Parce que là, on était très généreux avec Gary Brown. La porte grande ouverte. Il n'a pas eu à chercher plus longtemps. Ça passait. Et on sent qu'on est vraiment en difficulté avec la voiture en vitesse, encore une fois. C'est le point névralgique de cette voiture que l'on ne maîtrise pas. On devine dans les rétroviseurs la voiture de Florian Talou, troisième maintenant. Nouveau meilleur tour personnel, je ne sais pas si c'est le meilleur tour officiel de la course, mais... Elle danse, hein. Elle danse du train arrière cette voiture. Regardez l'avantage que prend Gary Brown. On est clairement en train de bouchonner. Regardez ça, Gary Brown qui vole littéralement. Je sais pas pourquoi on est aussi lent d'un coup. Par rapport à la qualif, on était capable d'aller quasiment chercher la pole. Et là, on part encore à l'extérieur. Oh, il a le touché par Florian Talou qui a tenté de faire l'extérieur. Ah, c'est vraiment très très dur là. De voir ça, Florian Talou qui va se faire réattaquer par Rob Massé, 2 dixièmes entre les deux voitures et le soleil qui vient finalement animer les hostilités. Pas de pluie pour le moment, même si on sait que ça change très très vite ici à Donington Park. Une demi-seconde sur Florian Talou, ça devrait nous protéger, mais il y a 2 virages, on doit absolument bloquer la voiture qui nous suit pour ne pas se prendre un coup de taquet. Ou éventuellement perdre une place. Rob Massé qui perd sur Florian Talou devant. Gary Brown à la route, toute ouverte. Meilleur tour encore une fois. Et on tire sur cette boîte de vitesse. Allez, le meilleur premier secteur pour nous pour le moment. Rob Massé un peu en arrière. On arrive à faire fonctionner les pneus. Ça change aussi beaucoup de choses dans le rythme, hein, ça. Regardez, on tourne quasiment 1 seconde plus vite. Simplement parce que les gommes sont à température. C'est vraiment l'un des points qui joue aussi beaucoup hein, dans le rythme de course. Bon, il est beaucoup trop tard, Gary Brown qui a 8 secondes, rendez-vous compte. On va entrer dans les 3 derniers tours de cette manche. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de la part de Gary? À part qu'il s'impose. Sur un new personal best de notre côté. Retour au contact pour Rob Massé. 2 dixièmes. Alors que Florian Talou n'est plus là, il est tombé au 6e rang. Le pilote italien qui était leader avant l'arrivée du peloton
sur le circuit. Hop, de Donington, là j'étais beaucoup trop généreux. La direction de course ne me réprimande pas. Oh, Massé qui est juste derrière, on n'a pas le droit à l'erreur, ça va être compliqué dans la remontée, il va rester deux boucles pour résister. On prend tous les risques dans les virages, on sait qu'on est meilleur pour se protéger. On enchaîne les meilleurs tours, on tourne toujours plus vite qu'au tour précédent. Là, on a raté un petit peu le coche avec la deuxième vitesse. Allez, septième position. Pour notre équipier, je l'espère au moins. Oh, et on défend bec et ongle hein, face à Rob Massé. One length back. La voiture qui est en vrac complet, le peloton qui est resserré derrière nous. On est dans l'herbe, c'est fini, on a juste été trop large. On est en train de tout perdre. Il faudrait vraiment aller chercher le podium parce que là, ce sera un peu de catastrophe pour nous. On peut rien faire avec cette boîte. Je suis vraiment passager et victime de ma boîte de vitesse. Hein. J'en peux plus de cette boîte. C'est pas possible. Dans tous les sens, c'est une catastrophe. Elle est jamais correctement étalonnée. On va encore perdre un podium. Que c'est compliqué. Faut encore aller protéger à l'intérieur, ça va pas être simple. Mais quel enfer cette boîte de vitesse! Et on va faire une quatrième place, mais c'est pas mérité du tout après la pole. C'est vraiment catastrophique cette boîte de vitesse, on n'y peut rien du tout. J'ai beau chercher dans tous les sens, je peux pas améliorer la situation et ça commence à être un vrai problème. Alors si on continue cette course, on peut constater donc que c'est Gary Brown qui s'impose devant Rob Massé. Les deux Britanniques à domicile ont fait le travail devant Andrew Currens, le pilote américain. Pendant ce meeting, on met quand même 22 points, là où quand même Gary Brown en met 33. La bonne nouvelle, c'est que Florian Talou n'en met que 14 au général. Notre équipe met quand même aussi pas mal de points, 30 à égalité avec le RST Motorsport. Au classement général, eh bien Gary Brown prend la tête des opérations avec deux petits points devant nous. Nous sommes 3 points devant le pilote américain Andrew Currens après les 4 manches. Il en reste 2, rien n'est fait évidemment. Rob Massé 4e qui a encore fait un beau meeting ce week-end à égalité avec Garnett Lee. Bon, notre équipier est bon dernier et au niveau du classement équipe, eh bien, on est toujours dernier à 94 points. Le Team Bolton Touristique donc avec Gary Brown fait le travail devant le Cassius Racing, le Borda Racing et enfin le RST Motorsport. Voilà donc pour ce qu'il y avait à retenir de ce meeting très difficile encore une fois. Comme après Catalunya, la boîte de vitesse ne fonctionne pas comme je le veux et je n'arrive pas à en tirer le meilleur. Évidemment, la prochaine manche pour nous aider sera à Monza, donc une manche où il faudra de la relance et de la vitesse. Je pense que nos heures de souffrance ne sont pas encore terminées dans cette carrière Pécard et on se retrouvera sur la version club, la version courte de Monza. Merci à toutes et à tous pour votre attention à cette série. On espère redresser la barre pour la fin de saison. Rien n'est perdu face à Gary Brown. Merci à toutes et à tous et à la prochaine. Salut !